Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XVI de Cible d'élite. Et aujourd'hui, nous allons affronter le Grimalkin de rang C. Il a l'air d'être magnifique. Par contre, il est rang C, ça devrait être assez simple, assez rapide, on va voir. République de Damelki, territoire des fauves. Et ben, je crois que je veux savoir exactement où ça se trouve parce que c'était pas très loin des petites abeilles que je viens d'affronter. Donc là, il y avait Dravost. Et là, normalement, le territoire des fauves, il est ici. Donc normalement, on devrait le trouver ici. Donc on va se téléporter soit Dravost, soit la mâchoire des géants. Là, la mâchoire des géants. On prend un chocobo et on y va. Et là, on se rapproche au niveau du territoire des fauves. Donc, il y aura plusieurs ennemis avec notre boss. Où est-il? Peut-être qu'en les battant tous, il va arriver après. On va voir. Ah non, il est là-bas en haut. Il est là-bas en haut. Eh ben, c'est parti du rang C. Allons-y, les amis. Je vous présente le Grimalkin, cible d'élite rang C. Ouais, c'est parti. Les monstres sont super bien réalisés quand même dans cet opus, faut le dire. Allez, on fait un peu de dégâts à tout le monde. Voilà. Assez. Allez, on va devoir tuer tout le monde. Nouveaux ennemis en approche, oula, il y en a énormément. Donc c'est là que réside un peu la difficulté de celui-là, c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis avant d'affronter le véritable ennemi. Mais au final ils sont très faibles, ils sont niveau 28, on est niveau 39. On arrive beaucoup trop tard dans l'aventure contre eux. On est juste après Bahamut. Et pour vous, n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça s'est bien passé pour vous ce combat-là? L'avez-vous battu du premier coup? Allez, on a battu tes petits. Haha, à ton tour maintenant. Ouh, elle est pas contente, vilaine bête. Allez, on l'a bientôt choqué. On le fait tomber par terre. Allez, c'est bon. Allez, on le choque. On lui fait la max de damage. Voilà, parfait. Il devrait prendre très très cher. Allez, sa vie va descendre à une vitesse. Regardez-moi ça, le Grimalkin. Regardez-moi le nombre de dégâts que je lui fais. 57 000. Et vous, pour l'instant, c'est quoi votre maximum de dommages? Et couchez, Minou! Et voilà, il est battu.
le pauvre. Cible d'élite vaincue, les amis. En plus, je crois que sur lui, on récupère une récompense qui permet d'avoir une arme, peut-être une arme ultime, on verra. Enfin, peut-être pas une arme ultime, mais en tout cas, une arme... Peut-être l'Excalibur ou une autre. On s'en tire pas trop mal, pas vrai, Talgor? Allez, le chien a bien travaillé, il mérite une récompense, une petite caresse. Et ben voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a été utile, j'espère que vous avez facilement trouvé cet ennemi. En tout cas, merci à ceux qui like, merci à ceux qui s'abonnent, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine cible d'élite. Allez, prenez soin de vous et à bientôt, salut tout le monde!